Petit panda. Galakrond, depuis qu'ils ont viré l'armure, je suis plus trop fan. Et clairement, les stats ont l'air d'accord avec moi. Tahm Sen, je pense, c'est ok quand il y a dragon. Il y a dragon. Parce que, bah, avec Taric Gozad, tout ça, c'est sympa. Même pas insane. Le chat, je déteste. Le tracker est d'accord, tant mieux. Bam, bam, bam. Il y a quelques bons joueurs dans la game là. Cassadon, c'est un bon joueur. Poon aussi, je connais pas. Soren, joueur italien, très très bon. Connais pas, connais pas. Après, pareil, lui je connais pas, mais je me demande si j'ai pas vu son pseudo dans le top 50. Il y a des mecs qui sont peut-être top 50 que je connais pas. Moi je connais pas tout le monde. Hein. Ah, mauvais timing pour le proposer lui. Mauvais timing. Ok. Demande si c'est juste pas mieux d'invoquer. En termes de proba pour mettre plus de dégâts, c'est mieux, non? Parce que là du coup, j'afflige le poids de dégâts en plus en faisant ça. En fait, le truc, c'est que si je mets la HP en plus. Ah là, hop, hop, devant. Donc en soi, en faisant ça, il y avait un monde où je pouvais lui donner égalité, je crois, mais bon. C'est nul. Je pense qu'il y a 1000 vidéos sur YouTube. C'était quoi le message? J'ai pas vu. Je pourrais faire une vidéo hier pour expliquer comment bien paramétrer le tracker. C'est pas prévu, non. Parce que bah je connais pas très mal le tracker en vrai. Moi j'ai mis mes options, mais je connais pas du tout toutes les options et flemme de regarder, tu vois. J'ai mis des options qui me convenaient, il y a peut-être moyen de faire d'autres trucs et en fait, si je voulais faire une vidéo sur le tracker, il faudrait que bah, je connaisse globalement bien le truc et bah la vérité c'est que je connais pas très bien. J'ai juste mis mes options moi qui me convenaient et basta, tu vois. J'ai dû aller deux fois dans les chipoter aux options dans ma vie sur le tracker donc. Je pense pas être légitime pour pouvoir vraiment parler, donc bon. Puis, c'est pas le but de ma chaîne. Mais honnêtement, tu regardes les options, enfin, il y a moyen de comprendre assez facilement, hein. C'est pas très compliqué normalement. Ok, il y a Liver. Ok. Milou, son timing est vraiment bon dans le sens où je peux acheter, vendre, acheter, acheter. Donc je pense que c'est Milou. Je pense pas que je up, parce que souvent, voilà, on me posait la question est-ce qu'il faut up pour le mort? Bah, par exemple, ici, non. Genre, c'est trop fort de prendre tempête là. Dommage qu'il ait pas de serviteur, du coup mon chevalier il mourra pas, mais bon, je pense que je le pique quand même. Je pense que je fais ça. Ça. Hop. Hop, et je vais rien jouer. À la limite, je joue ça si jamais il a un truc neutre sur le board, mais je crois qu'il a rien. Enfin, je sais pas dans quel monde il a un truc. Genre, je me dis si jamais il avait client, tu vois, et qu'il a perdu avec client, mais je pense pas. Je joue pas ça parce que je vois peut-être mieux à booster le truc du shop d'après. On peut faire une Toki Curve, c'est-à-dire que je peux up Hero Power et du coup au prochain tour j'aurai 2 tar 24 de freeze. Ah bon, on est contre Toki. On peut faire la Toki Curve de Toki. Après, je peux aussi prendre 2-3, mais. Bon, ouais, non, on go prend du 4, je pense. Non, tu peux pas avoir le Hero Power de Natrius, non? Elle est cool. Il a up. Il fait la Toki Curve aussi avec Toki. C'est bien vu. je pense que je vais faire ça. Hein. Je pense que Freeze ça, c'est cool. Après, ça, c'est pas fou quoi. Bon, on n'a pas eu la meilleure 4. Hein. Clairement, la rejeton était incroyable. La Mampen était cool. Lui était incroyable. Lui, pareil. Anubarak, Banshee c'est très bien. Bon. Disons que c'est pas dramatique.
On peut tenter de découvrir un mort-vivant ici. Ouais. Si je peux avoir un deuxième chevalier ou la gold, c'est quand même plutôt cool. Même elle, elle est bien. T'as raté mon sub. Ah, merci Makizar, je suis désolé. Merci Ralph Malf aussi. Désolé les gars. Souris. Deuxième chevalier, c'est très bien. Et je vais faire ça du coup, hein, autant. Autant quand même prendre ça du coup. Pourra peut-être mettre des digueurs en plus avec. Ok. Il y avait Ghoul qui était bien ici à choper. Il y avait l'écologiste était bien. Le ventru était ok. Le deuxième chevalier était bien. Enfin. Les repos étaient très bien. En plus ça meurt. Tout est bien. Et on va mettre masse dégâts avec ça. Ah ouais. Oh mon dieu, on lui casse la gueule. Oh le moins 12 il fait mal hein. Oh mon dieu. Oh là là. Oh là là. Aéropower. Ok. Intéressant. En fait pour curver je peux prendre ça. Mais si je veux je peux grid et essayer de chercher du sac. Mais est-ce qu'en moyenne les sacs sont si bien? Je suis pas sûr. C'est sûr que je vais up et aéropower. Mais je aéropower quoi? Parce que lui il va filer probablement des trucs de merde. Alors que là, je peux tenter de chercher un bon truc. Et dans le pire des cas, je peux même vendre deux pour acheter. Je peux tenter Nomi, je peux tenter d'avoir Mac Malloc. La plupart sont quand même nuls. Hein. Honnêtement, la plupart sont quand même nuls. Je me demande si je préfère pas faire la tempo pour ensuite up 5. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que honnêtement, je vais probablement me faire douiller. Hein. Ah mais je vais up Hero Power, mais est-ce qu'on prend ça ou ça? Ah vas-y bouge. Ouh le chevalier. Ouh Nomi. Je vais me prendre ça pour la tempo sur ce tour. Et je freeze. Je verrai en fait ce que j'ai là-dessus. Bon, not bad. En vrai, le truc c'est que les repouvoirs proposent quand même deux. Donc il y a quand même moyen de toucher un bon truc avec deux. Je voulais pas tripler lui maintenant parce que ça fait moins de skilling. Double Nomi, bah j'espère. À droite! À droite! Pire hit. Ça gagne quand même là? Ah, il y a encore le rip-hop juste. Mais ouais, c'est close hein! Hey bon, moi je peux pas tag le mort parce que je suis trop fort. Poids faible trop fort. Quatre, 6. En vrai, Minou c'est quand même bien parce que si j'achète, ça me coûte 6 là. Ouais, Milouz est bien, je crois, sur ce tour. Faut pas que je fasse trop de rôle derrière, mais. Je pense que je prends du 5, hein. J'ai clairement envie d'essayer de choper Synergie Nomi, là. Je peux trouver Magma Lock, Mini Rack, Tempête, deuxième Nomi. Et au pire, je peux prendre ça pour Evolve, c'est vraiment de la merde. Ah. On tente les vols. Brillez qu'à l'évolve. J'ai pas voulu mettre bouclier divin, j'ai peur qu'il meure pas en fait. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il soit close en fait. Parce que je sais qu'il a up, je m'attendais à le fumer, 100%. Du coup, j'ai pas voulu mettre bouclier divin là-dessus, je l'ai mis sur l'autre.
Et l'autre est pas mort à gauche d'ailleurs. Ah, je m'attendais pas qu'il ait genre 20%, quoi. Je pensais que j'allais être ultra devant. Ok. Ok. Moi 10. Ok. Ok. Ton board était solide, mais très bien. Oh, deuxième Tookie. Ah, allez. Attends, on en a eu des Tookies sur cette game. Ok. Troisième Tookie possible. J'en ai vu passer quelques-uns, c'est sûr. C'est sûr qu'on en a vu passer des Tookies. Oh, je vais le prendre pour tempo quand même. Elle est bizarre cette game. Ah, par contre, chose qu'on touche sur les rolls. Deux dames là, monsieur. Ah, voilà. Voilà, Puccio. Pense pas que je prends le chevalier, je vais faire ça. Il est fort, apparemment. Ouais, double gardien à bière au loup là. Oh, le double gardien à taunt est terrible pour moi. Parce que, en fait, j'ai regardé, je sais qu'il n'y a pas mecha dans la game, donc je m'attends pas à ce qu'il ait des boucliers diva taunt, donc je joue pas autour. Et malheureusement, bah, il y en a deux. Je pense que le raisonnement est bon, mais. Le résultat ne l'est pas. Fuck. T'as assez ouf le board qu'il a, hein. Parce que moi je suis ok, mais mon dieu. Oh, j'espère que je tag le mort là. Alors, reprends mon tag le mort, ce qui va nous mettre bien. C'est ouf parce que vraiment, je joue quand même tempo. Genre, mon board est pas nul pour un tour 8. Hein. C'est tour 8 là, mon board était pas nul du tout. C'est indécent ce qu'on a pris. Alors, si j'ai beaucoup d'achats revente, c'est bien, mais j'ai pas le cyclone donc je pense que je dois prendre ça au-dessus. Parce que ça va me coûter trop cher là. Mon dieu. Et vraiment, insane lui et l'autre pareil. Hein. Là, les deux, j'ai tag les deux boss de la game, malheureusement pour moi. Les deux étaient très très forts. Mais bon, j'ai du scaling, on touche des bonnes cartes là-dessus, ça c'est cool. Pense que je vais. Ah, je vais juste prendre en main, mais c'est chiant, j'ai pas la place. Après, je peux peut-être déjà imaginer vendre l'autre. Ah, je perds des boss pour l'autre. Ok. On va essayer de toucher nos triples. Je veux pas, je toucher les triples. Ok. Très intéressant. On pourrait essayer d'avoir une grosse boule et de les transférer là-dessus. On pourra virer ça avant. Orgozo me permettait de récupérer des golds là éventuellement, même boule de serviteur ou quoi, donc c'était cool de jouer avec. Faudrait d'ailleurs que je joue la carte de Orgozo après, parce que si je chope la boule, elle sera plus petite. Donc en gros, il faut que je vende Orgozo et la carte, ça joue à la fin. En gros, il faut que je fasse. Ouh, attention, Hero Power. On peut essayer d'avoir le. Ouais. J'ai déjà prendre la four en vrai. Nice. Je voulais la four au début de tour là. Prendre un 5. Je ne veux pas up. Deuxième Nomi, c'est un peu late. Myrmidon qui prend les stats, ça peut être cool. Brikai, ah. Deuxième Nomi, c'est trop late là. Si j'arrive à transférer sur Myrmidon, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais, go prendre Myrmidon, on tentera.
avoir un shot. Fuck. Six points de vie, ça peut cher quand même. Nice. Bon, lui, moi, mais. Ok, lui, c'est incroyable, lui aussi. Prends-moi ça et freeze. Naga. Ok. Comme ça, tu vas garder Nomi. Exactement. C'est une raison de garder Nomi. Faut pas perdre ce combat. Si on perd pas ce combat, on est vraiment bien parce qu'on a le bloc encore. Hein. Ça, c'est cool. La Toxie, ça va être super important. Aïe, aïe, aïe. Il a pris son meilleur hit, la Toxie. On va peut-être perdre là-dessus. Hein. Pas bon non plus. Ah, on perd sur le hit de la Toxie. Heureusement que j'ai le bloc, mais c'est dommage, quoi. On perd le bloc là-dessus. Le titre ne change pas. Bah, si tu n'utilises pas, non. Ok, le problème c'est qu'il y a deux garçons qui sont énervés dans la game. Heureusement, les dodge. Eux deux, là, on veut pas les tags. Alex, il a gagné puis il a perdu. Bon, je sais pas s'il est nul ou juste pas de chance. C'est possible qu'il soit pas de chance. On peut prendre ça pour être plus fort sur ce tour. Ça pourrait être ok à jouer. Je suis pas sûr que je le ferai, mais c'est forcément mieux que l'autre. T'as assez ouf, hein. J'ai pas eu de cyclone, j'ai pas eu de lame de feu. C'est pauvre, hein. C'est vraiment pauvre. On a eu Nomi super tôt et derrière, il n'y a que dalle sur mes rôles. Pas d'élème 2-2, c'est. Waouh. Il n'y a juste pas d'élème en fait. Ah, il n'y a pas d'élème. Ah, il n'y a vraiment pas d'élème quoi. Mon Dieu! Oh, il a la gueule de mes tours, quoi. Never Lucky. Bon, je suis pas confiant là. Ouais. Bon, ça c'était pas horrible. Ça aussi c'était bien. Mauvais, très mauvais ça. Ah, le poids de vie qui sauve peut-être. Nice. Youhou! La chance! Par contre, je risque de mourir au prochain fight. Donc faut vraiment pas que je tague 2 et. Je peux retag à mort en vrai. Je peux retag à mort. Y a pas de mort. Si, si, y a mort. Oh, nice. Oh la chatte. Vraiment là. Et encore, il faut pas que je perde contre lui, hein. Il faut pas que je perde, là il faut que j'envoie tout parce que eux deux sont bien plus forts que moi et Alex était même plus fort que moi. Attends, mais Vardan. Ah oui, mais en fait tout le monde est plus fort que moi, je pense. Hein. Ça c'est cool. Par contre, j'ai pas envie de tripler ça, j'ai envie de tripler la bonne élème. On va voir ce qu'on peut faire. Il faut que j'en vende au moins un, mais ouais, on va voir. On va voir ce qui est possible de faire. Je pop. Pour essayer de tripler. Tripler loul là. Oh, j'avoue que ça c'est pas mal en vrai avec le dragon là. J'avoue que lui il régale là ici.
Oh, j'imagine que je vais tripler du coup. Ok. Mais je vais pas up vu que de toute façon je vais vendre et acheter. Yep, je prends un sac. Hero, il serait pas mal. Briller Kai. Briller Kai avec lui et là-dessus ou quoi, ça peut être bien, je pense. Dommage pour lui, mais Briller Kai est mieux, je pense. Regardez Nomi, hein. C'est stylé Nomi. C'est peut-être mieux ici quand même. Ok. Et puis à tour, je peux virer Briller Kai si on, évidemment on meurt pas. Bon, c'est une compo LM avec 12 LM sur le board, quoi. Quel game, mes amis. Oh ouais. Ah, j'espère qu'il y a deux morts de l'autre côté parce que je ne tirerai plus longtemps. Le bouclier diva sur la créa que tu vends aurait pas donné le plus 16 d'attaque au dragon ou bien tu avais trop peur de perdre. J'avais peur de perdre, frérot. Hein. Je voulais clairement avoir le shield là. Mec, je sais que tous les autres me lavent sur le papier donc moi je voulais juste survivre ce combat là pour ensuite prendre le top 3. Moi dans ma tête, je suis quasi sûr que je suis pas censé gagner là. Après, encore une fois, ça se met, ils vont faire de la merde mais. Mon board est vraiment nul là. J'ai essayé de jouer LM avec Nomi, j'ai eu aucun LM. J'ai pas eu d'LM, c'est plutôt pas de chance. On peut revendre ça pour se refoutre dans le pool et en récupérer éventuellement un. Ah, ça, toute la game, j'aurais voulu l'avoir, ça c'est incroyable. Toute la game, ça j'en voulais, ça aussi. Bon, ça je l'ai quand même eu doré, mais bon. Pas se mentir, ça n'a pas suffi, quoi. À rattraper le retard qu'on avait pris. Je peux pas l'acheter, je peux roll, jouer l'autre, vente, y acheter un truc, peut-être. Truc bien, peut-être. La paire. On est trop faible, on est trop faible. Honnêtement, on est trop faible. On est juste trop faiblard. J'ai mon rôle pour Leroy. Bon, pas touché. Je pars du principe que sans Leroy, dans tous les cas, je suis mort. Et même avec, je serais probablement mort. Donc, je suis quand même rôle au cas où. Il dit top 3. Ah, on prend tous les jours, hein. Le board est honnête pour un tour 10, ouais, dommage qu'on est tour 13. Après bon, je pense qu'on a quand même bien joué la game, on a senti quand c'était la merde et du coup on a réussi à essayer de sauver les meubles. Après, c'est dommage. Après, j'ai chatté un fight, mais en soi, le combat que je chatte là contre. Je crois que c'est Barof. Bah, il faut garder en tête que derrière, avant, je perds un combat où j'ai 14% de perte et ça me fait sauter le bloc, quoi. Donc, donnant-donnant, on va dire. Donnant-donnant. Plus 14, on prend, hein. On prend. Miam, miam, miam.